c'est passé de mode. Bref, j'espère que vous êtes prêts les amis. Désolé, on commence un petit peu tard aujourd'hui. Merci Pyrexa pour le sub d'ailleurs. On commence un petit peu tard aujourd'hui, m'en voulez pas. Mais voilà, les fers préféraient jouer à 20h30 qu'à 20h parce qu'ils voulaient, apparemment ils doivent manger aussi. Donc je savais pas que les fers se nourrissaient comme des, nous autres les êtres humains. Mais apparemment ils ont besoin de manger et tout, voilà. Bref, du coup on va faire Haven et Ascent aujourd'hui les amis. Bah moi je suis prêt, voilà, moi je suis prêt. Vous pouvez lancer quand vous êtes prêt. Les fers, écrivez dans le chat si vous êtes prêts tous. Et on va commencer ASAP si on peut. Prêt, 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 prêt. Attends, putain, mais il écrit chiche ce connard. 1, 2, 3, 4. Putain, ta gueule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Ok, bah moi c'est bon. Tu peux lancer, t'allumes. Tu peux lancer. Tu peux lancer. Bon, j'avoue que la connexion. Voilà, bref. Bon, les amis, bienvenue dans cette grande soirée. Extrêmement mal. Enfin. Très bien organisé grâce au modo, mais moi où il n'y a rien de préparé, puis une merde. De l'affrontement des fers. 10 stars de l'esport, pardon, que dis-je, 10 stars de l'esport vont s'affronter sur 2 games acharnés pour la gloire du stream. Le but étant de se foutre de leur gueule, mais de recoller aussi par moment s'il y a des trucs bien, ce qui arrive très rarement, et de repérer des futures pépites pour le prochain tournoi qui arrivera très bientôt. Voilà, bref. Ah, j'ai fait un petit café tranquillou. Et c'est parti. Avant les pseudos, je connais Danaroi. Et c'est le seul. Alors il y a peut-être d'autres, pas mal de subs hein, qui sont là régulièrement, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont pas les mêmes. Ils ont pas les mêmes pseudos que sur le chat. Voilà, je connais juste Danaroi. Voilà. Voilà, 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 voilà. Attends, j'ai regardé que j'ai mis le bon titre. 2 secondes. Je m'en fous de la gueule des. Attends. Ah non, on va mettre. Cast 5 V5 fer 2 points. Non, égal. Je me fous de leur gueule pendant 2 games. Choose your agent. Non, il a quand même pas. Il a quand même pas mis qu'il était ready. Il pique pas. Frérot. Non. Putain, c'est à Picoto? C'est à Picoto? Ça pique automatiquement? Il s'appelle No Kill en plus, hein. Bon. Alors j'espère avant tout les amis qu'il n'y aura pas de smurf etc ou pas trop. Ça peut arriver toujours, il y a toujours un petit zigoto qui a mis un peu cassé les couilles. Mais voilà, malheureusement je n'y peux pas grand chose. Bon, sacrée connexion pour commencer. 142 ping, ça diminue. S'il y a des smurfs, bah tant pis, ils seront éliminés pour la prochaine game et ils seront bannis des trucs de fer. Et puis voilà, bref. Alors on a Danaroi, Falky, Badmood, Sekai, Lelou, Miling, Queen Dodi, Allons, Nolek et No Kill. Pouah, Nolek et No Kill, je les sens bien les deux couillons. Ok, petit tour des viseurs. Alors, c'est de la merde. C'est bien. C'est bien. Un peu. Ok, ok, ok. Ok, pas trop de dinguerie. Malgré tout, No Kill hein, qui fait encore parler de lui. Allez, c'est parti, les amis. Haven 0-0, ça part. L'arrow qui touche, qui ne sort pas de la map déjà. Ça commence plutôt bien pour le Sova. Elle s'est pas sortie de la map. Normalement, les arrows sortent souvent de la map. La TP du Yoru. Ok, belle téléportation. Il a fait le clutch, le Yoru. Sacré beau move. Il s'est tapé à côté de lui. Il se fout de sa gueule. Un bon PC en tout cas de la part de Sova. Encore une fois. Oh, sacré ordinateur. Sacré ordinateur. On se dirige vers le C là pour l'attaque. Ok. Ok. Nolek. Ok, bon. Ils se sont fait 5-0, ils se sont fait péter la gueule hein. Il y a quand même des sacrés PC hein, le sauvage, je sais pas sur quoi il joue frérot mais bon. Ça a pas l'air d'être un PC de la NASA hein, clairement. Oh, c'est la première game, ça vient de commencer frérot. Oh. Ce skin là quand même, faut admettre que moi je le trouve grave stylé.
Celui-là, je l'aime vraiment bien. J'aurais dû l'acheter en vrai. Je me rendais pas trop compte, mais le ghost comme ça là, j'aurais dû l'acheter. Ouais. Clairement, je le trouve incroyable. Alors, on se dirige. Oh, ça fait des strats, ça joue ensemble. Hein. Le boombot de la part de Raze. Queen, Doody. Le boombot, repère sur les feuilles là. Qu'est-ce que. Queen. Ok. Le crosshair placement est parfait. Hauteur de tête. J'imagine que dès qu'elle va tirer, ça va mettre directement des headshots vu que le viseur est parfaitement bien placé. Ok. Ah la queen là-dessus, faut être vive hein, ma grande. Hein. Petite Red Bull aussi, ça ferait pas de mal. Hein. Ok, pardon, on part sur Alon. Le clutcher fou. 2v5 en écho. Oh! Eh! Eh! Pour un fer! Il a. Quoi? Quoi? Je la connaissais pas le jet du SP pour assommer l'adversaire. Non, il y a pas de système de knock. Il y a pas de système de knock dans le jeu, frérot. Faut tuer l'adversaire. Il y a pas de le jet du SP pour assommer. Non, c'est trompé de jeu là. Ok, repère de boombot, ça m'intéresse. Ça se trouve, je vais apprendre des repères que je connais pas hein, parce que c'est des rongés aussi parfois en fer. Ok, il a à sortir. Pourquoi il vise le sol, frérot? Ok, ok, ok. Pardon, j'ai pas vu. Copy qui a géré le mode spectre sur ce jeu. Ok, Falky, ça va se fight. Ok, il s'escape. T'es pas cover de la longue là, mon grand. Ouais. Le spray à la vandale va. Belle revenge en tout cas de son allié qui l'a bien aidé là-dessus. Belle revenge, ça a l'air assez rapide, ça joue contact comme ça que j'aime bien. Ça, c'est le ballon que j'aime bien ça. Contact, tarata, ça mitraille. Ok. Last player standing. One enemy remaining. Il peut le mettre hein. Oh. Ah le viseur il fait des courbes hein. Ah je suis ouais. Le viseur il a du mal hein. Le viseur il a du mal mais ça a été mis. Bien joué. Chiche. Le viseur il fait des courbes hein. 5-0 pour l'instant pour Sekai. 5-0 pour l'instant. Alors on rappelle les mecs que c'est pas parce qu'un mec fait 5-0 que c'est 100% un smurf possible. Merci pour le sub, merci infiniment pour les subs d'ailleurs les amis. Je vous remercie encore une fois, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde pour vous dire que 4000 subs pour du Valorant. Merci beaucoup, bref. Voilà, c'est pas parce qu'un mec a 5-0 qu'il smurf forcément aussi hein. Il y a aussi des disparités entre le niveau des fers entre eux, voilà. Ça arrive. Je qualifierais ce clutch de chat, voilà, c'est que ça intéresse. Sacré viseur en tout cas de la part de nos kills. La prise de la short, 5 en short, pourquoi pas. La prise de short à 4, s'en sort. Comment ça va être réagi de la part de Arena qui rentre. Ok, parfait, ça one tap. Le deagle, je suis pas sûr, oh là là. Oh là, même le robot il lag frère. Wouah! Shock dart. Shock dart. Oh bordel. Tu l'as vu? Non. Non. Mais gros. OMG la raise, OMG Falky, OMG triple kill.
Ça j'aime bien ça, l'agressivité de la part de Falky, c'est bien joué ça. Falky c'est propre, triple kill, le saut in complètement folle dingo. Super bien joué ça. Ça a jeté une MP5 pour ça. Qui c'est qui a l'MP5 là? Elle est au sol? Mais non mais... Mais prenez l'MP5. Oh les bails en face, regarde les armes en face. Qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui branle? 5 PM avec petit Kevlar? Mais pourquoi? Ils peuvent tous acheter un gros truc. Let's start this party. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais... Here comes the party. Falky qui sort l'ulti. Non, vas-y, 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 vas-y. Mais frère, faut... Ok, ça se bloque, ok, ça va. No kill. Oh, tu feras jamais un kill avec le PM en clic droit comme ça. La smoke pour s'empêcher soi-même de passer. Ah, pour la bombe, pardon, j'ai pas vu. Il a raté deux balles de shotgun avant de le tuer. Lui, me... Non, non, non. La shotgun le sort. Oh la vache. Mais c'est gros. Il se meurt Flaky. Non, je pense pas gros. Non, il se meurt pas. Arrête de dire qu'il se meurt parce qu'il a fait tripler. On a vu son spray dans la double porte avant. Alors soit ils sont deux frères dans la même pièce, il se passe le casque et la souris très très vite, il joue avec les mêmes sensis. Et le frère, le grand frère, il est immortel. Soit non, go. Non, non. Il se meurfe pas. Tu mens là pour faire ton intéressant. On l'a vu dans le double porte à l'heure, il a détruit tous les murs. Il a tout détruit, frère. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Voilà. Donc, on va regarder un début de round de sa part. Mais je ne pense vraiment pas qu'il se meurfe. Par contre, il a l'air d'avoir un PC correct par rapport aux autres cons d'en face. Attends, j'ai envie de voir la Viper. C'est Kai. Oh, son viseur il est quand même incroyable. Hein. Le contour est plus large que le viseur quand même. Ça sort de la map ça ou pas? Ça tombe où? On voit? Ça sort de la map ça non? Ça sort de la map, ça sort de la map. Effectivement, ça sortit de la map. C'est sorti de la map. C'est hors map. Hop, celle-là sur Mars. Là, celle d'avant sur Saturne. Les beaux repères, hein. Travailler la part de Viper, c'est cool. Ah, oh, ça se meurt pas. Oh, le headshot. Comment ça, Sova très suspect? Mais comment tu peux dire Sova très suspect? Lui là? Très suspect? Non, tu te fous de ma gueule. Non mais dis... Non mais n'importe quoi. Non non t'abuses là. Oh elle est belle. Comment tu peux dire qu'il se meurt, espèce de connard? Comment tu peux dire qu'il se meurt frère? Arrête c'est bon. Il se meurt pas frère, respecte le jeu. Non. Mais pourquoi ils te prennent 6-0? Non, celui qu'on a pas beaucoup vu par contre c'est Bad Mood. Bad Mood j'avoue. Skin glitch pop, viseur correct. Pas de problème de connexion. Le jeu est fluide. On va regarder un round de la part de Bad Mood. Non, le Sova il a un PC dégueulasse gros. Il est beau ce skin ouais. L'arrow, belle arrow, hein. Très très belle arrow celle-là. Au cas où les ennemis ont 5 ulti domaine pour se téléporter directement ici. Pas mal l'arrow. Hop. Lui. Ok. Ok. Ça se fight derrière. Tanaroa. Ils sont tous là gros. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont... Ah ils sont tous push. Ah mais d'accord. La Sage d'en face. Cette conne elle wall derrière eux en fait. Donc ça veut dire que les ennemis savent très bien où ils sont. Il n'y a pas de rotation. D'accord. Ça c'est de la merde par contre. Lui prend. Pourquoi il ulti en 5v1? Ok, ok, ok. Ok. Par contre il l'a mis direct hein. Pourquoi ils ont des skins? C'est des fers.
Mais gros, il y a bien des gens qui achètent des Porsche, ils savent pas conduire, frère, ça a rien à voir ça. Ils ont le droit d'aimer les skins, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont le droit de se faire plaisir. Laisse-les, gros. Qu'est-ce que tu racontes, connard? Attends, j'ai envie de voir un duel au sommet là. On va. Je suis désolé, je suis un fan de Raze, on va regarder un petit peu la Queen Doody là qui joue. Parce que j'aime bien moi les repères. Au moins, elle regarde le paysage, tu vois. On voit tous les défauts de la map. Ok, ça se prend les murs. Vous pensez que les gens qui jouent comme ça, ils courent pareil IRL? Genre ils courent en ligne droite, enfin ils se prennent les murs et tout? Ou genre c'est juste le jeu? Ok, lâcheux, ok. Ouais non, pas ouf. Regarde pas le sol ma grande. One enemy remaining. Premier round de l'attaque, let's go. C'est étrange hein, les rounds de Queen Doody là pour l'instant. Est-ce qu'on peut jouer à la manette sur Valorant? Est-ce qu'on peut installer une manette et jouer? C'est quand même ouais. Eh, la WAP pour Danaroi, Jet à WAP ça j'aime pas trop. Ok. Des fois quand ils ont des mouvements rapides comme ça, c'est pas trop défaire hein. On va voir. On va voir le premier shoot. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Faut tirer quand même hein, frérot, faut tirer hein. C'est le concept, c'est de tirer puis se décaler. Oh le wall. La prise de position. Spike down, mid. Oh, oh là 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 là. Le bel arrow de Wolf. Ça arrow, ça drone, ça met tous les spells au pif. 3 contre 2. No kill. No kill et Queen, Queen Doody. 2v2, 2v3. Non, Queen Doody qui revenge, c'est parfait. 1 contre 2 pour la Queen. Faut y aller quand même hein. Enfin je veux bien décaler lentement, mais là quand même faut. Faut y aller. Joli, joli cette AK quand même, le skin est joli hein. Oh y'a un déco. Ok c'est pas grave, c'est une équipe qui gagne, c'est pas grave. Ça va se faire smurf de fou. Mais non, il a la WAP. Il a la WAP, il a la WAP. Il l'a racheté? Non, ça c'est une mascarade ça. Ça c'est une mascarade ça. Ça c'est de la mascarade ça quand même. Allez Queen, Hunter. Mais tire. Mais oh, tire pas peut-être en fait. Non non je suis. Non bon. Bref. Mais c'est pas Hagrid. Pourquoi tu vises aussi haut ma grande? Mais des balles à 8 mètres de haut. Merci ma wish pour le sub, merci infiniment frérot. Ok 9 hein, ils ont mis le rune avec un déco. Ah ouais ils ont mis le rune avec un déco, d'accord. Ils ont un déco, ils ont mis le rune. Ok, pourquoi pas. Ils ont des difficultés quand même l'attaque là dessus. Je pense que les équipes étaient pas très équilibrées. Mais malheureusement on peut pas trop savoir hein. On peut pas trop savoir hein. Putain. Est-ce qu'il y en a qui font exprès ou pas? Mais je pense qu'il n'y a pas de smurf gros, je pense pas. Hein. Le seul qui est peut-être un peu meilleur, que je trouve meilleur, c'est lui et c'est Kai là, les deux, à la limite. Mais la Viper...
Je suis pas d'accord hein. Lui il est... Vous m'avez dit Sova et Smurf, il a 6 kills, il est dernier de l'équipe les mecs. Je vous jure qu'il n'y a pas de Smurf, je pense vraiment pas qu'il y a des Smurfs. Allez, ça joue ensemble. Ah, apparemment, d'après notre modérateur, l'équipe rouge, c'est une team d'amis qui jouent ensemble. 4 des 5. On a pu remarquer du teamplay de fou. Très beau slow, ceci dit. Sûrement travaillé à l'entraînement entre eux, hein. Il se slow lui-même. Je le connaissais pas celui-là. Très très beau repère appris sur Reddit. Il y a des discords comme ça de repères, de repéreurs et tout là. Stylé. Ok, l'autre slow. Ok. Le mur en tout cas il est bon. Ok. Position. Hop, ça joue. Ça prend des crosses. On a un dégénéré qui tue la batteuse. Mais est-ce qu'il contrôle sa souris quand même ou pas? Et s'il contrôle? Est-ce que il contrôle ou genre il reste appuyé et puis il la lève du tapis et tout? Parce que... Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Last round in the half. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il troll ou pas? Il troll ou juste il a un PC de merde? Parce que ça joue aussi le PC de merde. Bon, alors oui, aussi important pour l'équipe rouge apparemment qui joue ensemble et qui travaille, la bombe explose hein, à la fin. Donc c'est bien de se barrer si vous voulez pas perdre vos armes, surtout quand vous avez pas trop de thunes en fait. Bon. On rappelle qu'il y a toujours un déconnecté, hein. Évidemment les fers, la connexion va avec. Ok, wheeling. Mais tire, mais frérot. Ok, la ligne accroupie. Ok. Ok, il est plus FK. Mais comment... Spike down A. Et comment il le tue pas? Quoi? Ok, ça rotate. No kill et queen. Ok, oh. Ah ouais, non, c'était pas ouf en fait. Queen. Qu'est-ce qu'ils font? Y'a un duel à... Tu sais où il est, tu sais où il est. Ton pote vient de te le dire. Ok, ok, ok. C'est bien joué. 4v2, ça va être dur. Ok. 2v3. Dommage. Queen 1v3. Queen 1v3, full HP, tous les sorts en main. Ça fait un kill à l'ultimate de Raze. Switching sides. C'est pas facile hein. C'est pas facile hein. Moi ce que j'aimerais bien comprendre, sans vouloir déjà aussi me moquer hein, parce que je suis vraiment pas là pour me moquer, je suis là pour faire progresser et tout les mentalités et les joueurs. Pourquoi est-ce qu'il lâche jamais le clic droit, ces connards? Pourquoi est-ce qu'ils ne lâchent jamais leur putain de viseur? Arrêtez de viser, il y a aucun streamer qui vise. Arrêtez de viser, bordel. Vous le... Genre, des gens qui sont immortels, radiants ou diamants à la limite, ne visent jamais. Pourquoi vous, de votre propre chef, vous dites il faut que je vise? Pourquoi? Je comprends pas. Vous prenez des viseurs cool de streamer ou n'importe, et vous visez tout le temps. Mais pourquoi faire? Ok. Ok, moi t'étais repéré là quand même, hein. Je te cache pas que c'est dur. Ok, le slow sur Pluton, pas mal, on sait jamais. Sur le toit hein, de la map, hein, en cas où il y a, je sais pas, un pigeon. Ok, pas mal, le spray lui explique toutes les balles touchent. Ok, ça joue. Deux V2. Dana Roi, il y a un duel important contre Alon, le Yoru. Ok. Cette position est... Il n'a aucune chance de gagner le round d'ici. Il n'a aucune chance de mettre le round d'ici. Merci Cynic pour le sub. Merci beaucoup frérot. Voilà, bon, allez. 10-3.
Allez, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. La défense. Attends, c'est buggé ou pas? C'est buggé ou pas là, les scores là? Jet Smurf. Qui Smurf? Nanaroi? Je pense pas, ouais. Moi j'ai dit qu'il avait l'air moins nu. Non, non, mais arrête de dire ça, frère. On l'a vu. On l'a vu tirer à la WAP tout à l'heure, Window. Il a dashé sans tirer. Qu'est-ce que tu racontes, il Smurf? Qu'est-ce que tu racontes? Dis pas des bêtises, y'a pas de Smurf là. Le seul qui a l'air un peu meilleur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui. C'est lui. Mais ça se trouve, c'est juste qu'il joue pas beaucoup en ranked, y'a ça aussi. Mais tranquille, pour le tournoi, t'inquiète pas, on fera les sélections plus, plus drastiques, je sais pas si ça se dit. Allez. Mais je te jure qu'il se meurt pas, frère. Regarde, il se meurt pas. Il a de la chatte, c'est tout, frère. Il se meurt pas, gros. Regarde comment il bouge, gros. Je te jure, c'est un putain de cadavre de fer, gros. Je te jure, il se meurt pas. Il se meurt pas, gros. Je te jure que non, gros. Ah, il faut pas jurer, mais. Non, mais gros, y'a pas de smurf, gros. Il est de temps comme tous les autres, gros. Ou alors, ça se trouve, il est en mode il smurf de bronze 1, oh, tarlélo et tout. Non, non, non. Je pense qu'il smurf vraiment pas, gros. Il est juste un peu moins explosé que les autres. Mais il smurf pas, gros. Je suis pas d'accord avec toi. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas, frérot. Quelqu'un a vu le Yoru faire des trucs bien? Bah regardons le Yoru, frérot. Regardons le Yoru, tiens. Regardons le Yoru. Yoru qui pour moi est un des persos les plus durs à jouer du jeu avec Astra. Enfin, les plus durs, les plus intéressants quand c'est bien maîtrisé, on va dire. Mais Yoru, ça demande du cerveau quand même, hein. Yoru, vraiment, c'est pas facile, hein. Il l'entend. Y'a pas 50 000 de position, il sait qu'il a. Ça traverse la caisse, hein. Ok, il tire pas. La caisse elle traverse, hein. Tu peux le tuer à travers, hein. Ok, Falk il entry. Peut-être. Bon, avec 2 balles de PM, c'est compliqué. Nanaroi, 1v3. Ok, ça croupit. Ok. Il sait qu'on le regarde, il fait le mariole. Ok. Check là. Y'a rarement un ennemi ici quand même à ce moment du round. Bois, comment c'est abusé de critiquer comme ça? Ils veulent juste faire une partie de temps en temps. Mais gros, ils sont volontaires, hein, frérot. C'est fait exprès, hein. C'est fait exprès, frérot. Ne t'énerve pas, ils font exprès. Enfin, c'est fait exprès. Enfin, leur niveau, non, ils font exprès, ils jouent comme d'habitude. Mais c'est le concept de l'émission. Donc quand ils mettent leur pseudo dans le truc pour se faire inviter, ils le savent. Que on va se moquer d'eux. C'est le concept de l'émission, gros. Merci en tout cas de la bonne conscience du chat Twitch. Merci, cher paladin. Mine de rien, moi je considère quand même qu'on devrait parfois les applaudir quand même, parce que accepter de faire ça en stream en sachant très bien qu'ils sont nuls à chier, quand même, faut des couillasses quand même, en vrai de vrai. Faut des couillasses quand même, en vrai de vrai, moi je respecte quand même. Ok, le spread no kill, lui smurf pas, lui. 10 à 5 pour la défense, hein. Pour l'attaque, pardon, mais il la défense qui remonte. Voilà, c'est un round un peu bizarre, hein. Il a l'USP. Ah non, il a un shotgun, pardon, j'ai rien dit. Ok, des duels au sommet. Oh, le MS. Oh, le giga MS. Il sait même pas qui l'a tué, je pense. Oh, les mecs, il y en a deux longs là qui me fight, mais je sais pas où il est parti l'autre. Oh. Spike down A. Un V1 OMG. OMG, un V1, 20 HP contre 150. OMG. Un verre des fers. La rencontre.
Ouais. Let's make them dance. Attends, mais c'est moi où les runes sont buggées là? C'est moi où les runes sont buggées en fait? C'est buggé, non? T'as pas inversé les trucs? Ah mais c'est inversé, ok. Je sais pas s'il est fer lui en vrai. Est-ce qu'il est fer? Double ulti de Viper là, ah ouais? Ah ouais? Last player standing. Ouais, je sais pas, hein. Match point. Ouais, je sais pas, c'est bizarre quand même. Parce qu'il y a beaucoup de spécimens, hein. Il y a pas beaucoup de super fonds. S'il y en a, il y en a très peu, mais. Ah, si, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Alors, on va prendre le mid. La roue, elle touche ou pas? La roue elle touche la map. Attention, le sauve-up, merde, il est où? Non mais gros, attends, mais il se fout de la gueule du monde, frère. Le sauva, il a mis l'ulti le pire du monde. Et la queen machin, elle a ulti là, la raise là, vous avez vu? Elle a ulti dans le mur ici, alors qu'elle a vu qu'il y avait personne, hein. Elle a ulti dans le mur là. Quoi? Oh, c'est la fin de la première map, hein. Quoi? Ah là ça se meurt pas, hein. Là ça se meurt pas les frérots, hein. Là ça se meurt vraiment pas, hein. 1v3 OMG. Et c'est la fin. Les attaquants qui gagnent. Ok, bon, on va faire très simple. On va faire très très simple, frérot. On va faire très très simple. Je vais choisir moi-même les joueurs qui restent. Dans la team de droite, tu nous prends Bad Mood et She-Wolf, le Wolf là. Danaroi, il est pas si fier que ça. Bad Mood, il est pas si fier que ça. Et Sekai non plus. Team de droite, tu prends Falky et Wolf. À gauche, Doody. On prend qui à gauche, les mecs? Qui à gauche? Qui à gauche vous voulez? No kill? No kill direct, ok. No kill. Je veux Queen, no kill à gauche. Et qui d'autre? Allons. Allons et joue Yoru, c'est stylé. Vas-y, allons et joue Yoru, gros. C'est stylé en vrai. Non, Yoru c'est stylé. S'il peut nous jouer un Yoru, c'est stylé pour les faire, ça change. Ah, vas-y, go allons. Bah du coup, merci pour les autres, mais voilà. Alors prenez-le comme un compliment si vous voulez, hein, mais t'as 5 joueurs max. Ouais, non mais t'inquiète, parfait. Du coup si tu peux kick Bad Mood qui, je pense. Attends, c'était qui trichait? Attends, mais je voulais qui? Tu peux kick Bad Mood et à gauche Miling et Nolek. Merci à tous d'être passés. Je considère que Bad Mood, Sekai et Danaroi, vous êtes un peu trop forts les frérots pour le tournoi. Voilà. Prenez ça comme un compliment si vous voulez, ou voilà, je sais pas comment vous pouvez le prendre, mais je considère que vous êtes un peu trop fort, voilà, pour défaire, voilà.